Bonsoir à toutes et à tous, et aux fantômes également. On ne laisse personne sur le bord de la hantise. Bonsoir Pierre Cross. Bonsoir Benjamin, je fais pas le fierro. Là on n'est pas fierro là. Oh non. Là oh, on non. Est sur le volume 2 de la nuit dans un château hanté. Vous avez vu le volume 1, on n'était pas fier au trait non plus. T'as vu le volume là? Là, c'est très très large. On est sur un château qui donc va nous réserver une nuit qu'on pourra qualifier de légendaire si on en sort vivant. On va en sortir vivant. Finger cross. Pierre Cross. Toute la prod a organisé des surprises. Je sais même pas le dire. Parce que surprise pour moi, c'est cool. C'est sympa. C'est bourré de Kinder. Et on va malheureusement rencontrer peut-être des choses, des formes. Ah! J'ai déjà envie de taper. Non, faut qu'on fasse équipe. Oui, parce qu'on n'est pas assez courageux d'aller tout seul. Donc. Certainement pas. En tout cas, nous, notre but, c'est de passer la nuit et on va essayer de bien dormir. D'ailleurs, c'est une vidéo qui est sponsorisée par Emma. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement les matelas, les plus primés d'Europe. Ils ont reçu des associations de consommateurs, qui est quasi le prix Nobel du confort dans le monde du matelas. Et qu'est-ce qu'ils ont de spécifique ces matelas? Donc déjà, ils sont super confort. On en a testé un avec Pierre, parce qu'évidemment, on va dormir dans un matelas Emma dans le château. On va avoir un super matelas pour flipper toute la nuit. Pour flipper, ce sera c'est le seul moment de confort. En plus, il commence à avoir du tonnerre à pleuvoir. C'est une nuit de dingue. C'est un matelas en mousse à mémoire de forme respirante. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous fait du bien quand vous allongez, du bien au dos, du bien aux hanches. Vous êtes prêt, vous êtes enveloppé en fait dans le matelas. On s'est pris une belle sauce et on découvre en même temps que vous, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas du tout mis les pieds dans le château, dans les parties du château. On découvre en même temps que vous. Et donc je disais, tu visites la cheminée. Donc les matelas Emma, je dis, ça vous garde au frais pendant la nuit. C'est un gain de sommeil, parce que si tu dors très très bien, ton corps est régénéré beaucoup plus rapidement. À ton avis, est-ce qu'on va dormir 8 heures cette nuit? 8 minutes. 8 minutes. Je pense qu'on a 8 minutes. C'est un gage de qualité, ça améliore votre quotidien et votre sommeil. Et en plus, ils sont super sympas, Emma Matelas, parce qu'ils proposent 100 nuits d'essai. C'est comme si nous là, on restait 100 nuits ici pour savoir si on le gardait. Non. Pour se dire, ah mais il est hanté, ça fait 3 fois que je meurs. C'est-à-dire que vous avez 100 nuits pour vous dire vraiment ça va être le matelas de ma life. Et c'est un service de qualité parce que la livraison et le retour ils sont gratuits. Donc si t'es pas satisfait, tu peux le rendre gratuitement et ils viennent te chercher. On the long free. Et ma matelas, donc c'est des matelas qui sont garantis 10 ans, donc c'est de la grosse qualité. Et comme je suis très généreux, puisque c'est probablement notre dernière nuit sur Terre, on va tout donner avec le code VEREKIA. Vous pouvez avoir en plus des réductions déjà présentes sur le site des ma matelas jusqu'à moins 45% de réduction. Donc c'est quasi la moitié si je ne dis pas de bêtises. Donc un grand merci à eux parce qu'on aura un matelas Emma et ce sera le seul réconfort de la vidéo. J'ai envie de faire que ça. Pierre, est-ce que tu es prêt? Quelque part, je suis un peu excité quand même. C'est-à-dire? Non, pas par rapport au matelas. D'ailleurs, on va tout de suite partir en visite parce qu'avant de se mettre en pige, on va quand même visiter un petit peu le Airbnb qui nous accueille. C'est un pige Emma? Oh mon salaud. Oh, elle est bonne. Pierre? Vas-y, hein. Vas-y, moi je suis bien là. Bon, franchement, j'ai une petite mini peur. Ah oui, très 19e. Ah, l'odeur aussi, hein, 19e là. Non, je parle du quartier de Paris, hein. C'est vraiment l'arrondissement. On va retourner dans la pièce principale. Oh mon dieu, Satan. Déjà, les principes des escaliers directs après des portes. Eh, on est là, on n'a jamais fait de mal aux fantômes. On n'a jamais laissé personne sur le bord de la route. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris donc des petites caméras. C'est-à-dire que les cadreurs nous abandonnent. Les cadreurs nous abandonnent et là, on part en solo. Bah, vas-y, viens. Tu viens avec moi. Il y a une petite bouteille d'herbe, tu sais pas, un peu de courage. Un petit peu de courage. Ça se trouve, elle est hantée, la bouteille d'herbe. Mais c'est quoi cette manie d'avancer sans lumière? Quand vous marchez dans des trucs, dans des couloirs, il y a des blasons déjà. Et tu sais que cette lumière qu'on a laissé allumer, là, elle va nous faire peur dans la nuit. En fait, le problème, c'est est-ce que t'as plus peur quand il fait noir ou quand il y a une pièce allumée? Pièce allumée, ça me fait flipper aussi. T'es sûr là? Mais je suis sûr de rien là. Mais déjà, je sais même pas où est notre chambre. Oh, mais regarde ce cadre. Oh là là, mon dieu! Oh, il ne peut plus. Ces deux petits enfants, tu sais qu'ils sont dans le château. Tu le sais, eux, ils sont dans le château. Va voir derrière le rideau là. Non, non, zéro.
Ouais, non, impossible. Bon bah viens, mais elle est où notre chambre? Non mais là, on va où, viens? Je sais pas, il faut qu'on trouve notre chambre déjà. Vas-y, ouvre cette porte, on est obligé d'ouvrir cette porte. On est pas obligé, si. Eh vas-y, à un moment donné, on arrête de faire les gamins, c'est bon. Vas-y, voilà toi. Aïe, aïe, aïe. Bah voilà, c'est une chambrée. Tout ce qui est le plus normal. Et on est là, hein. Voilà, c'est tout. On a notre chambre, tranquille. Passe à autre chose, là. Tranquille. Et on a le petit matelas dont on vous parlait. Là. Par contre, il va y avoir vraiment Emma, je pense, le fantôme, hein. Aïe, aïe, aïe. Ben, ça, c'est pas bon, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Une terrasse. Tu sais que tout peut t'arriver par là. C'est le seul moment où j'ai pas envie d'une terrasse quand je dors quelque part. Tiens, regarde, là, il y a une porte. Oh! C'est quoi? Je sais pas, j'ai eu peur. Non, c'est pour ranger les vêtements. Mais là, on est à l'hôtel, en fait. Hein. Ouais, oui. Tranquille, il y a quoi? Bon, on se met en pige. Attends, il faut qu'on sécurise le périmètre. Comment on fait? Allez, viens. Eh, franchement, il y en a marre d'avoir peur. C'est quoi? Je sais pas. Non, c'est une remise. C'est une remise de moins 45%. Eh, vous savez quoi? On vous dit à tout de suite, on se met en pyjama et puis on va aller se brosser les dents, visiter le château, quoi. Bon, bah écoutez, nous, on est en pige. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Ah ouais, pas drôle. Allez, bah faut aller en haut, hein. Depuis quand ta salle de bain, tu l'as fait dans un autre étage? T'es sûr de toi, là? Je suis sûr de... Putain, j'ai vu un truc bouger en bas, non? Tu veux le tenter là, la salle de bain? Non, je veux rien tenter, en fait. Je voudrais me brosser les dents là. Salle de bain? Tu es là? Oh, ça s'allume tout seul. Bah voilà, c'est tout, c'est la salle de bain. Pourquoi il y a des fenêtres ouvertes dans la salle de bain? Pourquoi il y a des trucs en latin? Corpus sanis, c'est un corps sain. Oui, bon, ça veut dire qu'il faut se nettoyer, quoi. Bah, très bien, vas-y. Ah, très bien, faut pas avoir peur. Cannibalus. Oh là là. Attends, il prépare un truc, là. Il y a une fenêtre ouverte, il y a une caméra placée là. Canalibus aquae corpus. C'est le canal de l'eau du corps. C'est une baignoire en fait. Oui, c'est le sang quoi. Attends, mais là c'est pas normal ça, hein. Tu veux pas qu'on ferme? Bah oui, on va fermer. Ah, c'est une fenêtre ouverte. C'est pas méchant. Allez, on faut y aller, faut y aller. Oh, les robinets de l'an 40. Je sens que ça va péter là. Je crois qu'il va y avoir un truc. Ah, t'as la même brosse à dents que le 19e siècle. J'ai la laine du 19e siècle là. Non, mais y a rien là. Non. Ouvre là, l'armoire. Non. Oh, mais non, oh. Il va y avoir un truc là, c'est sûr. C'est un peu trop calme à mon goût. Ah, c'est bien calme à mon goût. C'est un peu trop pas à mon goût, à mon goût. Ça, c'est une déco quand même qui fait peur. Bon, bah c'est bon, hein. Ah, mince, j'ai oublié ma serviette là-bas. Tu veux pas aller me la chercher? Bah non. Mais attends, tu vas pas tout seul, hein. Je te préviens, Ben, on ne fait rien tout seul, hein. Mais même pipi, hein. Et là, on fait quoi? Je sais pas, on visite. Allez, visite, n'aie pas peur. Lila Blanche. Tu le tentes pas? Non. Ah, c'est une autre salle de bain. Oula, ah oui. Le WC. Ah ouais, c'est un del, hein. Il y a des joueurs qui sont passés ici, hein. Bon, bah, on va se coucher, nous. Hein. Tiens, et Ben, d'ailleurs, c'est ta vidéo. Tu prends la place, là. Je prends la place du mort ou quoi? Oh, le lit à baldaquin. Alors, on a le matelas hyper moderne, mais par contre, la couverture, ouais. C'est... Ça ne me fait point rire. Bon, écoutez, moi, je me couche. Je fais quoi? J'éteins la lumière? Après, pas obligé de dormir tout de suite. Allez, on éteint. Bon, allez, bonne nuit. Je suis pas du tout serein. Oh, il a fait les orages. Dans mon slip. Mais mort de forme. J'ai un slip, mais mort de forme. Oh non, les vannes, putain. J'ai envie de faire pipi, mais j'ai peur. Moi aussi. Il retient pas tout le matelas. Hein. Il est à mémoire d'urine. Le matelas, c'est Emma. Le lit, c'est Emma Hus. Hein. Oh oui. Bon, allez, bonne nuit. Tu sais, moi, je crois pas du tout au truc hanté, donc... Du coup, si un fantôme, il nous blesse et qu'on saigne, c'est le lit à baldaquin. Et si on a un bleu, c'est un hématome. Non, c'est un héma fantôme. Oh oui. Ils ont des horaires de taf, les fantômes, genre... Il va pas nous faire peur, genre, que à partir de 2h du mat. En général, tu sais, c'est comme les profs. Ça a des horaires un peu plus légers en été. Et si il est pas là, au bout d'un quart d'heure, on considère qu'il y a pas de fantôme, hein. C'est du bruit. Ça se trouve, c'est des fantômes, genre un peu des dames de ménage, tu vois. D'accord, d'accord. Ils sont pas tous méchants. Oui, bien sûr, mais bon, quand même. Tu les catégorises à chaque fois. Non, c'est pas de la discrimination. Imagine, tu vois, l'orage, et ça s'allume dehors, avec l'orage, et tu vois un corps à la fenêtre. Ah ouais, non, mais ça, je pourrais pas, ça. On est en peine. Musique, ça recommence. Mais là, faut aller l'éteindre, on pourra pas dormir. Après, ça fait une petite ambiance un peu pour s'apaiser, quoi. Toi, tu le fais en mode spa, quoi. Allez, viens, Pierre, on est obligé d'aller voir. T'es hyper courageux, là. Ah, je commence à m'endormir. Ça me paraît loin. Tu vas où? Il n'y avait pas de la lumière, tout à l'heure.
Bah, c'est où, il n'y a plus de musique? Bon, c'est pas grave, hein. Bon, faut s'alerte, hein. Fais gaffe au retour dans la chambre. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ça s'est allumé. Ah, mais ça, c'est le détecteur de mouvement. Il y a un bruit. Il faut aller en bas, il y a de la musique. Oh! Ça, faut l'éteindre. Ça recommence les frissons de la dernière fois, là. Il y a des fantômes mélomanes. Mais d'où il baisse le son quand on arrive? Un DJ ou quoi? Oh, il y a un bruit de porte. Hein? Je crois que c'est dans la salle du bal. Comme par hasard, c'est la salle la plus opposée à nous. Attends, attends, attends. C'est dans la salle du bal qu'on paye les musiciens. Y'a qui? Oh! Oh, c'est quoi, toi? Excusez, y'en a qui dort? Et qui? Ah ah, désolé du dérangement, pardon, on recommencera plus. Je me casse dans mon lit, moi. Moi, je me casse dans mon lit. Terminé. Elle a pas aimé. Ah, j'ai envie de pisser. Tu m'accompagnes? Oui. Mais comment elle t'a crié dessus? Je vais faire pipi. Vous avez le droit de danser quand vous voulez. Vous êtes chez vous, hein. On me laisse tranquille deux secondes. Un petit peu d'intimité, hein. Bon, tu montes la garde? Ouais, ouais. Bon, ouais, je suis en train d'attendre au pipi room, quoi. Oh là là, il y a une horloge, mais c'est des oiseaux, quoi. Genre, il est quelle heure? Il est moineau. Ouais, merci. Oh là là. Mais attends, mais t'as vu comment elle a... C'était qui, d'ailleurs? On n'a même pas demandé, nous. Tu crois qu'on devrait aller s'excuser? Putain, comment elle t'a mal parlé? C'est elle qui nous réveille, à la base. Elle t'a mal parlé, hein. C'est à elle de s'excuser. Oh là là. C'est bon? Bon, on retourne se coucher, nous. Faut arrêter les conneries. Chut. Elle est là. Allez. Non, faites pas ça! Laisse-la, laisse-la passer! Laisse-la passer, laisse-la passer! Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, moi! S'il vous plaît! Elle arrive, on est dans un guet-apens! Bonjour, ça va? Elle s'en va. Ah, vous avez une malrobe, hein! Et on est désolé hein, pour le dérangement, hein! Même pas, elle va dans notre chambre! Ah. Elle touche pas à notre chambre, hein! Avance! Mais je sais pas où elle va! Elle va là-bas, regarde! Wow! Bah oui, bah elle est! Hé, les portes, c'est toi qui les payes! Attends, ça va, hein! Bah, on est parti! En fait, on va se coucher comme si de rien n'était. Attends, vérifie qu'il n'y ait pas des trucs chelous, là. Et qu'est-ce que tu veux qu'il y ait de chelou? Je sais pas, la dernière fois, tu sais, on revenait dans la chambre, il y avait des trucs. Ah ouais, tu crois? Bah attends, je vais allumer la lumière. Elle était pas contente, elle, hein. Claque des portes et tout, là. Oh, j'ai crié si aigu quand je l'ai vu. Ah, ça perd des octaves, hein. Et masculé, hein. Oui. Oui. Tu l'as, celle-là, ou pas? Pourquoi on fait comme si c'était normal? Normalement, tu t'en vas. Ah oui. Il y a une nana, un fantôme qui claque la porte. Ah, moi, j'ai tapé un sprint. T'es parti, toi? Ah, moi, je suis... Moi, je voulais me battre. Tu vas te battre avec un fantôme, si tu crois vraiment que tu peux gagner? Même avec un pas fantôme, tu gagnes pas, toi. Ah. On est revenu au petit nid douillet, quoi. J'ai du mal à profiter, quand même. Ça peut pas faire des... Ça peut pas se mettre à un film tranquille? Pourquoi ça tourne autour d'une table? Ah. Mais en plus, ça fait des hauts cœur. Elles vont pas venir dans la chambre. Non, c'est notre petit nid à nous. Ça, moi, je l'ai dit la dernière fois sur le TripAdvisor, là, du lieu qu'on est allé, là. Fantôme, si vous voulez, mais pas dans la chambre, hein. Ah, ouais. Peut-être qu'ils ont peur des brosses à dents. C'est une brosse à dents. C'est bon ça. C'est une brosse à dents. C'est très bon ça. En fait, ça m'énerve. Tu veux y aller là? T'es beaucoup plus courageux qu'avant. Quelqu'un? Mais tu crois vraiment qu'il y a quelqu'un qui va te répondre? Ouais, c'est Roger. À partir de maintenant, on n'a plus peur. On va vous montrer qui c'est les patrons. À bon entendeur. J'ai compris. Moi aussi, je peux claquer, hein. Pas vrai ça. Bien dit en tout cas. Merci. On va pas se laisser faire, nous, hein. Est-ce que si rester dans cette maison, c'est une mission impossible? C'est Phantom Cruise. Ça marche très bien, ça. Merci. Je crois que le coup de pression a marché, tu vois. C'est dommage de sévir, hein, d'ailleurs, hein. Mais bon, à un moment donné, faut aussi, voilà, montrer que, voilà. Nous aussi, on sera fantôme un jour, hein. Et on n'en fait pas toute une histoire. Ce sera quoi ta technique de fantôme pour faire peur? T'es obligé de faire peur quand t'es fantôme? Bah, dans l'idée, c'est un peu ton taf. C'est comme si t'es youtubeur, tu fais pas de vidéos, quoi. Moi, ce serait peut-être soit des chansons. Toi, t'es fantôme chanteur? Phantom Jones? Très bon, très très bon, très 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 très, très bon. La maison me fait peur. C'était une bonne blague, peut-être. C'est dans la pièce d'à côté que ça rigole. Et un one man show? Phantom Angel. Oui. Tu veux y aller, toi? Non. Ouais. Non, non. Bonne nuit. Au moins qu'elle raconte la vanne, là. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on éteint, elle rigole, on allume, elle rigole plus. Truc dans l'armoire.
Non, c'était une fausse alerte. Vas-y, on va lui mettre des lattes dans la gueule. T'as sa mère la tchouin. Qui t'es toi? Est-ce que vous voulez jouer avec moi? Bah non, bah pas là, on va enregistrer. Puis t'as mis la coupe, non, bah pas là. Faut attacher, si tu veux, j'ai un élastique. Non, c'est pas ça la question. J'ai un ballon. Ouais. Putain, ouais, il y a l'hélium, c'est cool. Ce qui va se passer, c'est que nous, on va dormir. On dort tous, non? Vous voulez pas jouer avec... Si, 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 on va jouer, t'énerve pas. Non, te Non, bah non, ça arrête. C'est moi, Ok, je... On va jouer à la chasse. Non, on va pas jouer. Chat. C'est pas un chat. T'as pété un cadre. J'ai pété un câble. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, il a défait le lit. Oh, c'était ça. Ça est revenu. Oh, mais... oh, il m'a tué le cœur, lui. Est-ce que vous voulez jouer avec moi? Bah oui, mais il est temps. Il propose même pas un jeu. Et moi, j'ai re-envie d'aller faire pipi. Hein. Tu veux que je t'accompagne? Ah bah ouais. Il a foutu le bordel partout. Oh là là. Ah, il m'a mis un haut le cœur. Et en plus, avec les chaussettes, on glisse quand on sprint. Vous voulez jouer avec moi? Vous voulez jouer avec moi? Oh, il était balèze, Julien. Et j'ai cru que j'allais lui mettre une patate. Tu sais, il faisait trop le mal à un moment. Non, je crois que t'as couru, t'as crié d'une voix très aiguë. Et la porte là est maudite. Ah là là, c'est le monde de Narnia. D'où tu joues à chat à 2h du mat? Il va revenir, tu crois, lui? Ah, s'il revient, il fait ce qu'il veut. Je joue même aux échecs. Je joue à Crash Bandicoot. Oh là là, c'était dur ce qu'il nous a fait. Et d'où il met les pieds sur le lit, lui? Ah oui, c'est vrai qu'il est monté sur le lit. Après, peut-être qu'il a entendu parler du match là, et marre. Le cœur, là, il est ses sports. Hein. Je suis au moins 120 battements par minute, là. Tu sais que moi, j'ai l'historique. Hein. Je pourrais regarder. Hein. Dans ta tête, on te connecté. C'est 3h04, vous avez failli mourir. Pas lui, pas encore lui. Hein. Ça va, pas avoir tout ton courage. Et tu sais quoi? On fait une autre technique. On va nous les courser. C'est sûr? Ah, tu vas voir. Ils sont en haut. Elle est là, elle est de retour? Non, c'est pas moi! C'est pas moi! C'est pas moi! Elle revient! Je t'ai déchiré ton t-shirt. Ah bon? Ouais. Ça a craqué. Les courses ridicules qu'on fait. Elle est où? Elle est où? Mais je sais pas où elle est. Bon, c'était une mauvaise idée. On va retourner dans la chambre. Ah! Oh mon Dieu, la fatigue nerveuse. Mais en plus, un fantôme de clown, c'est un fantôme qui a gardé ses habits de taf en fait. Ouais. Mais au moins, t'es fantôme, tu peux garder des habits de civil. Oh là là, quelle histoire. Ah, ils en ratent pas une, les fantômes. Hein. J'avais peur de ça quand j'étais petit. De quoi? Bah de ça. Oui, mais de quoi? J'avais peur de ça. Mais de quoi? Les baldaquins? Mais non, mais le truc là, ça. Je ne vois pas, on est dans le noir. Ça me faisait peur. Bon, vas-y, là, t'es... Non, bonne nuit. Pierre, elle fait l'appel. Venez me voir. Mais tu fais peur! Elle dit quoi, elle dit quoi, elle? Je suis tout en haut des escaliers. Vous voulez venir? Oui, on arrive, tu bouges pas, hein? En haut des escaliers. En haut des escaliers, elle a dit. En haut? Oh là là, mais j'ai peur, moi! Aïe, 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 aïe! Mais pourquoi on doit venir, nous? Pourquoi c'est pas toi qui viens? Y'a pas de lumière? Pardon? Allez, viens, on avance. Et c'est fini maintenant. Ah ouais, ça fait peur quand même. C'est quoi?
C'est une petite demoiselle. Bonjour. Bonjour. Pierre. Pierre, me bloque pas. On va jouer, d'accord? Fais gaffe, on risque d'être pris en guet-apens. Me bloque pas. À quoi tu joues? Tu t'appelles comment? Amène-moi l'enfant. Hein? Appelle. Amène-moi l'enfant. C'est là-bas! C'est là-bas! Non mais je m'en vais là! Non mais attends, c'est quoi ce géant? Amène-moi l'enfant! Je suis bloqué avec ma chaussette! Qu'est-ce que je fais, Pierre? Arrache ta chaussette! Mais Pierre! On s'en fout! Mais non, là par contre, là non! Pas venir dans les escaliers! Tu vas galérer dans les escaliers! Ah, tu fais moins le malin maintenant, hein? Il est bloqué. Oh là là, mais c'est un... Mais la dinguerie! En fait, l'enfant, c'était un piège. Mais oui, c'est un piège. Les enfants, c'est un piège. Quelle histoire, messieurs, dames! Quelle histoire! Fais toujours gaffe en rentrant dans la chambre. Oh mon Dieu, le cœur! Attends. Eh, le cœur fait des pulsations, hein! Fais gaffe dans la jambe. Fais gaffe là-bas. Là-bas, il y a... Oui. Qu'est-ce que c'est encore? C'est une sœur. Non, je crois en Dieu. Je crois en... Bah c'est bon. Je crois en Dieu. Laissez-moi. Mais c'est infernal ce qui se passe. Non mais là, c'est bon. Non mais qu'est-ce qu'on fait avec la bonne sœur? Vous êtes censé aider les pauvres gens. Ouais, ça va. Hey. Une porte fermée, c'est un signal qu'on ne veut pas ouvrir. On a le droit à notre intimité, hein. Il y a un moment, je vais me pisser dessus. Voilà. Hey, mais l'autre, le truc immense en échasse. Il y a trop de personnages, là. Je vais m'asseoir, là. Il y a personne derrière. Je suis dans un état proche de l'Ohio. Oh, j'en ai fracassé ma chaussette. Ah, j'ai dû la découper. Hein. T'as dû découper ma chaussette, hein. On va pas réussir à dormir. Mais en fait, des fois, j'ai envie d'aller au front, d'aller vers eux, mais mon corps, il peut pas. Et quand il crie, en fait. Ouais. Quand il crie, moi, ça me bloque. Alors que j'ai envie de dire, tu te calmes, tu vois. Oh, le guet-apens qu'on s'est pris, là. Imagine, tu te lèves pendant la nuit, tu te retournes, c'est pas moi, c'est le clown. Non, vas-y, arrête. Qu'est-ce qui se passe dans ton propre slip? Bon, là, au moins, on est dans le lit douillet. Merci Emma. Oh, mais j'ai l'impression vraiment d'être dans un film. Quelle histoire. J'en ai perdu ma chaussette. Mais là, on va s'endormir, il va se passer quelque chose. Ouais, oui. La bonne sœur, on l'a eu trop rapidement, elle va revenir, elle. Ouais, oui, c'est sûr. La religieuse, là, la pâtisserie, là. Premier truc, c'était des chaises qui bougeaient, moi, ça m'allait, hein. Oui, la poupée. Bon, sympa, la poupée. Mais là, c'est la vision d'horreur, les gars, quand j'ai vu le truc géant. Au début, je me suis dit, parce que tu sais, la Alice Pédermavé, elle se retournait pas. Et je me dis, elle va se retourner. Ouais. Ça va être un diable. Ah ouais, et en fait, elle était avec nous, non, un peu. Et là, derrière, il y avait Belzébuth. Il y avait un gars qui doit faire le festival d'Avignon dans une semaine. Moi, je trouve le sommeil. Vas-y, on dort, on fait une ronde. Tu veux faire les 3-8? Vas-y, je dors 8 minutes, tu dors 8 minutes. Ouais, c'est pas beaucoup. Bon, vas-y, on commence tous les deux en même temps, là. Pierre! Ben! Suivez-moi! Je vais vous montrer quelque chose. Allez, venez! Ouais, mais moi, j'ai envie de dormir. Venez! Qu'est-ce que vous attendez? Suivez-moi! Il y a combien de personnes, là? Moi, je dormais bien. C'est qui, encore? Je sais pas, mais... Il y a un piège, là. Mais j'étais en train de dormir. Benjamin. Oui. Venez. Viens, ici. Qu'est-ce qu'elle vient de nous montrer? Mais il va y encore avoir les échasses. Mais j'étais en train de dormir. Tu vas loin, là. Mais tu vas où? Et allume des trucs, hein. C'est dehors. Bah oui, mais on est en chaussettes. On peut mettre nos chaussures. Oh, tu es bien gentille. Attention, pas qu'on se baisse. Attention à tout, hein. Elle est partie. Pourquoi on la suit comme des cons? Qu'est-ce qu'il y a? Fais gaffe. Ne fais pas confiance. Attends-nous! Elle est où? Mais nous, on la suit dans la cave! Bah non, on va pas te suivre là-dedans, non. Non, c'est pas le bon délire. Il y a quoi, là? Allez, par là, comme ça, on ne pourra pas vous trouver. Qui? Il y a des tombes. Allez, par là, comme ça, on ne pourra pas vous trouver. Qui nous trouvait? Mais qui? Mais nous, on arrive, on est là.
Eh, tu nous tends pas un piège, hein, petite fille, hein. Non, mais non, mais non, mais non. Quoi, y'a quoi? Mais non. Mais on est où, là? On est dans un sanctuaire. Et non. Oh, y'a des têtes à Pierre. Pierre. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Elle est bizarre, hein. Attends. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, moi. Oh, fais gaffe, il est sorti. Oh, y'a plus de lumière, y'a plus de lumière. Je suis un coureur. Je suis un coureur. Et fais gaffe à la petite fille là, à la petite sorcière. Mais je sais pas si c'est notre copine ou si c'est notre ennemi, elle. On fait quoi? Je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Fais gaffe. Derrière toi! Qu'est-ce qu'ils font? Attends. Vous avez gagné! Vous avez gagné! On va jouer à chat! Promis, on va jouer à chat! On abandonne! Et on va jouer à chat perché, la marelle, tout! J'abandonne, on abandonne! Fin de vidéo! Oh là là. C'est la fin de cette nuit plus qu'éprouvante. Oh, wow, wow! On est en... avec la. On est avec la belle photo de famille. Je veux pas cette famille, hein. Faites-moi un peu en lumière en vrai. Mais très très dur, ah ouais. Un énorme merci. Franchement, derrière ces serial killers, il y a des vraies personnes avec un cœur qui bat. Je voudrais remercier déjà vous tous un par un. Je voudrais remercier également Shirley Dubost, la maquilleuse qui a fait le make-up de tout ce que vous voyez. Un énorme merci à toute la production qui a fait ça. Merci Pierre Cross. Merci à toi Benjamin de... Plus jamais. Voilà, merci à vous. Et un grand, grand merci au matelas Emma, grâce à qui quand même on a réussi à s'endormir entre les peurs. On a fait quand même des mini-siestes. Donc un grand merci, les matelas sont respirants. À mémoire de forme, on vous met en dessous, d'en bas du lien de la description, le code Verekia, donc le code promo avec lequel vous pouvez cumuler des réductions sur leur site qui peuvent aller jusqu'à -45%. Donc voilà, pour bien dormir. Alors, ce sera des nuits sans eux derrière. C'est pas fourni avec. D'ailleurs, nous, on va en profiter là, non? Alors, on va dormir. Là, vraiment, on va dormir. Par contre, on a abandonné à 3h du matin. C'est 3h du... Ouais, mais qu'est-ce que tu voulais faire, là? Il y avait la grille, le clown et la rivière. Ah, c'était très dur. Ah, tu sais, j'ai des genres de palpitations, en fait. Et dès que je me retourne, j'ai des souvenirs. Merci à vous. On va peut-être se retrouver, qui sait, dans un autre manoir. Vive la hantise. Vive la peur. Et d'ici là, si là. Ciao. Petit éclair. Orage, là, quand même. Petit orage, quand même. Mm-hmm.